Salut à tous, bienvenue sur Rise of the Tomb Raider. Donc là, on arrive vraiment, vraiment, vraiment à la fin. Là, je peux plus sauvegarder. Ils le disent que le. Comment dire? Merde, je trouve plus le nom. Le feu de camp, c'est le dernier que je peux trouver. Donc ça veut dire que là, on arrive à un niveau où ben, il n'y a plus de feu de camp. Donc ça veut dire là, ça doit être du tout debout. Après, moi, je pense que je peux sauvegarder. Oui, je suis bête, ouais, sur le coup, ouais. En fait, je me suis gardé cette truc dans la tête où je disais comme le mode hardcore, là, le très haut, où les feux de camp, ce soit sur les points de sauvegarde, et c'est vrai que je garde cette habitude aussi, moi. Donc, mais après, le gros problème, c'est que je progresse plus de niveau. C'est ça qui me fait chier. Parce que je vais prendre des niveaux, mais je pourrais pas les mettre. Mais, est-ce que je le finis maintenant? Ou j'essaie de trouver des solutions à trouver, je sais pas quoi faire. Ça me fait chier. Ouais, bah tiens, on s'en fout. Ah, il faut bien qu'on le finisse un jour, ce jeu. Allez, bah go, hein. Moi, je dis, hein. Putain, ça prend net, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit aller à gauche. Donc là, on arrive au endroit où vraiment où c'est la finale finale, là. Il n'y aura pas d'autre. Attends, dis-moi pas que je reprends le jeu là avec un boss là. Constantin. Bon. Sophia, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez l'atteindre avec le trébuchet? Qu'est-ce que je dois faire? On va essayer. Prépare-toi. Je sais même pas ce que je dois faire. Je ne pense pas que vous arriverez à le toucher. On va continuer à essayer. L'hélicoptère est trop rapide. On n'arrivera jamais à l'atteindre. Attends, j'ai une idée. Si je tire sur la boule de feu quand elle passe à côté de l'hélico, l'explosion pourrait l'atteindre. Quoi? J'espère que t'as... Non mais t'es sérieuse? Elle veut que je... Non mais non, mais non. Maintenant, Sophia! C'est dur là! Oh non, on est là quoi! Oh, faut mourir aussi. Oh, j'avais oublié que ça bougeait autant la, la mitraillette. Ah, je l'ai pas vu lui! Sors d'où lui? Il est mort de quoi? Il est mort de quoi? Oh, attendez, je vais me bouffer du chaleur là. Allez, on reprend. Allez, premier soin. Mais t'es qui toi? Non mais faut que je me batte avec les immortels aussi. Non mais vous pétez un câble. Les immortels attaquez eux, pas moi. C'est complètement con. Je vais mourir dans ces conneries. Ah ouais, c'est pas logique. Attention Lara, il vient vers toi. Ah bah, je le vois qui vient, mais je dois tirer là, je dois tirer là, je dois... Ça va quoi. Il est où l'autre? Il faut qu'on remette le contrepoids en place. On n'en a pas pour longtemps. Ah oui, ça n'a jamais pour longtemps, tiens. C'est ça qui me fait rire. C'est Lucille, dès que t'es prête, Lara. Maintenant, Sophia, à votre côté, c'est bon. Touché, espèce de salopard. Il reste des survivants au sol. Éliminez Croft immédiatement. C'est un ordre. Putain,
Putain, c'est pas évident la mitraillette, hein. Fusil d'assaut, je veux dire. Qui me tire dessus? Ah, y'a trop de monde! C'est qui me tire dessus? Il est cool, lui. Merci, Sophia. On peut me foutre la paix deux secondes ou jamais? Ah, je suis mort. Bah oui, ma maman, l'autre. Non, mais ils sont 60 000. Moi, oh, j'ai chaud en plus par là. Attends, je repars vraiment de zéro là? Que je vais péter un câble. Pas évident cette connerie là. C'est pas ça que je voulais faire. Comment on empoisonne? Voilà. Attends, mais petit à petit, mon casse? Ah ouais? Je savais même pas. Il est où? Je suis coincé, c'est en train de m'énerver. C'est une blague. Putain, j'avais jamais touché. Ah, je l'ai pété. Oh, putain. Ça va. Ça fait toutes les balles que je devais récupérer en haut. Boum. Bah, je me les cale dans le, hein. Ah ouais, mais je prends des niveaux, mais il me sert à rien maintenant. Ça me fait chier, ça. C'est bon? Tout le monde fout la paix? Ça me fait chier que je peux pas mettre mon dernier point. Vas-y, casse-toi de là, toi. Ta boîte là. Attends, on va essayer de tout prendre ce que je peux prendre. Ça serait cool. Hop. Ah, je peux pas. Yesh. Ah bah non, tiens. Hop. J'essaie de vraiment fouiller là.
Là, c'est des endroits où je peux pas m'amuser à revenir en arrière où je veux. Ah bah, y'a là lui. Quoi? Il me prend mon arc? Il n'y a plus que vous et moi maintenant, Lara. Vous n'avez pas d'armes. De quoi que j'ai pas d'armes? De quoi que j'ai pas d'armes? Non mais c'est normal, il m'enlève mon arc, c'est-à-dire ça enlève mon fusil d'assaut, mon pompe, mon pistolet, il m'a tout enlevé en un arme. Je savais pas que c'était l'arc qui rangeait les armes en fait. Je savais pas. Vous et moi maintenant, Lara. Vous n'avez pas d'armes, pas d'alliés. C'est sans espoir. Cet endroit sera votre tombe. Il est où? Il est où? Vous ne m'échapperez pas. Je me suis trompé. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Pourquoi j'ai fait carré? Pourquoi? Je le sais en plus. Pourquoi j'ai fait ce putain de carré? Ah, ça va. Ça va. J'ai rattrapé la connerie. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait carré. J'ai jamais été carré. Voilà, là on a tout récupéré. Là. On a récupéré les 22 arbres que j'avais sur moi. Je rigole. Non. Je ne veux pas finir comme ça. J'étais promis un grand destin. Ça n'a jamais été votre destin. Juste un mensonge que votre sœur a entretenu. J'ai fait tout ça. Oh, dans un seul but. Quelle vie. Vous n'avez pas le droit de partir. Attendez. Les juste en délire. Ont tué votre père. Non, vous mentez. Il nous a supplié de l'épargner. Et ensuite, il s'est servi de vous comme excuse. Voilà. On est en l'eau. Faire. Ah ouais, ouais, lui. En plus, il a tiré dans mon ami, donc. Pas de pitié, moi zéro pitié avec ces gens-là. Il y a des gens qui les laissent en vie, pas moi. Ah non, il a fait du mal avec du monde autour de moi, il a failli tuer mon pote. Et il voulait me tuer, pourquoi moi je le laissais en vie, qu'il voulait me tuer. Et ton frère est mort. Non, c'est ce que les Trinitaires ont apporté. La mort. Et c'est tout ce qu'ils apporteront. Abandonne. J'ai tout abandonné pour ça. Pas question de laisser les Trinitaires s'en emparer. As-tu pensé à ton père? Tu veux le condamner à être la risée de l'histoire pour toujours? Comment peux-tu seulement l'envisager? Tu es si près du but. T'as trahi mon père. Bah son père, je veux dire, mon père. Moi je joue dans vraiment la vraie vie, bon. T'as trahi mon père. Je ne peux pas te laisser la prendre. Pense aux millions de personnes malades et mourantes. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons changer le monde. Rejoins-moi. Ah bah oui, les mettre tous immortels, le monde, t'as raison. Grand, Anna. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. La mort est une étape de la vie. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas en train de mourir. Il ne s'agit pas que de toi. Toute l'humanité est concernée. Nous devons préserver notre mortalité. Ils approchent. On est encerclés. Jacob, attention! Elle est vraiment sans pitié. Elle, autre la meuf, elle a une Desert Eagle quand même, on en parle? Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait. C'est le flingue que j'ai, moi. Ce n'est pas la peine qu'un autre Croft. Ah non, on a pas de dire ça. Oh, je vous dis la peine. Bon, je tiens la manette parce que je sens que ça pue la merde.
ce n'est pas mon cas. Mais non, mais t'as cru que t'avais 22 000 balles dans ton pistolet? Pitié. Je suis mourante. C'est mon seul espoir. Anna, non! Ah, c'est une pierre? Ça va tuer tous les immortels ? Kodolai ? Mais lui, il est aussi vieux que les immortels, lui, non ? Jacob, que c'était Sega. Approchez-vous. Moi, je comprends plus rien. Je m'accroche. Depuis bien trop longtemps. Vous saviez que j'allais la détruire. Durant toutes ces années, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi extraordinaire. Mon heure est arrivée. Je meurs. Un petit feu. Je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était changer les choses. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Bah ouais, c'était obligé qu'il disparaisse, bizarre. Il était aussi vieux, limite, lui. Il a dit que ça fait... c'était Sega, il l'a dit dans... Au début, il l'a dit. Bah, au début. Quand elle l'a découvert. Très cher Lara. Je me dis souvent qu'il n'était pas tout jeune, quoi. Dans sa tombe, s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Croft, qu'est-ce que cela signifie ? Jamais eu tort, là, mais... J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace dans ce monde un jour. Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes. Détruire la source était la seule chose à faire. Oh, je l'ai quand même laissé tomber. Je pense qu'il aurait fait pareil. Il va bien. Allez, t'as un avion à prendre. J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait, je dois faire mes propres choix. La cité de Kitej existe bel et bien. Il se cache des secrets là dehors qui peuvent changer le monde. Je dois les découvrir. Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre. Mais pour changer les choses. Espérons que ce soit pour le mieux. Bah, très bon jeu. Vraiment. Je m'en rappelais plus de la fin comme ça, je me rappelais plus de toute l'histoire, je me rappelais des passages comme d'hab, parce que c'est des jeux que j'avais joué au tout début de la PS4, mais franchement j'ai bien aimé, l'histoire était vraiment bien sur cela, et de pouvoir aller monter la personne, de mettre ses niveaux comme on a envie, de monter ses armes comme on a envie, de découvrir des armes, de se promener, de revenir en arrière, de repartir en avant. Je trouvais ça vraiment cool, d'avoir une liberté autant de grande. C'était les premiers jeux avec de la liberté, je trouve. Hein. Parce que maintenant, on a énormément des jeux de liberté. Mais comme celui-là, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai bien aimé. Vraiment. Je le conseille volontiers, celui-là, pour les gens qui ne l'ont jamais fait. Oh. Oh, fini ? J'ai fait couper, hein. Ah, mais elle est pas morte. Anna. Quand tu as dit, ce n'est pas la peine qu'un autre Croft meure pour ça. Qu'est-ce que tu voulais dire au juste ? C'est toi qui as tué mon père, c'est ça ? Oula ! Les Trinitaires me l'ont ordonné. Mais
Allez, vas-y, on s'en fout. Tu mens. Qui l'a tué? C'est fait. Bien. Je m'occupe de Croft. Non. Pas encore. Pourquoi des fois chercher la petite bête? Je comprendrais jamais le monde comme ça. Tu vois, t'as l'opportunité de tuer bah, les deux, entre parenthèses, tu vois. Parce qu'on n'est pas là pour tuer des gens, mais... Mais l'autre, il dit, oh, non, non, pas maintenant, on va jouer un peu avec les mythes, quoi. Et après, ils vont regretter à la fin en disant, oh merde, j'aurais dû la tuer avant. Bah oui, mais fais-le au début, connard. Bon, bah non, enfin, en tout cas, très très beau jeu. Vraiment kiffé de chez kiffé. Ah, oh, j'ai gagné plus qu'avant. J'étais arrêté à 75%, j'étais arrêté à 80% terminé. C'est quoi que j'ai pas fini? Ah bah ouais, d'avoir tout. En fait, le 100%, il faut avoir toutes les compétences, toutes les armes, ça doit être ça le 100%. Mais ouais, vraiment, vraiment kiffé. Après, il reste les expéditions. Je sais pas si je m'en fais une. Ça ne donne pas plus envie que ça. On verra un jour. C'est un jeu que je fasse pas. Mais autrement, ouais, très bon jeu. Moi, j'ai bien aimé. Donc, je vais couper là, les gens, pour lancer un nouveau jeu. Donc je vous dis bah merci à tous ceux qui sont passés et à plus.